Imaginez-vous dans l'un des plus beaux paysages du monde. Les forêts nordiques sous la neige, la savane africaine, les montagnes sud-américaines couronnées de nuages. Maintenant, imaginez-vous les traversant dans un missile biplace. Une tonne d'acier et d'alu, d'air et d'essence, de chair et d'os. 2 litres, 300 chevaux, 4 roues motrices. Le bruit des cailloux tapant sur la caisse, du turbo hurlant sous le capot, de votre cœur qui bat à tout rompre. Voici le World Rally Championship. 14 rallyes sur 4 continents. L'un des championnats auto les plus durs. Votre premier adversaire est le chrono. Dans cette course contre le temps et les éléments, chaque seconde compte. Sur piste et asphalte, dans le sable et la neige, de l'Arctique à l'Équateur. Vous irez aux limites et au-delà. Résumé en 3 lettres, WRC. Le rallye de Monte Carlo, qui est la première épreuve de la saison de WRC, parcourt des routes de montagne difficiles qui contribuent à son prestige. C'est d'abord l'histoire de cet événement, dont la première édition remonte à presque un siècle, qui en a fait sa renommée. C'est ensuite le fait de pouvoir commencer une spéciale sur goudron sec pour la terminer sur la neige. Remporter ce rallye signifie beaucoup, même pour les vétérans du WRC. Gauche,
Droite, éteint.
Thank you.
pas étonnant que le rallye de Suède ait toujours été remporté par des Nordiques. La température descend à moins 30 et même avec les 4 roues motrices des WRC, les pneus cloutés sont absolument indispensables. Certaines spéciales ont même lieu sur des lacs gelés. Malgré cela, le rallye de Suède reste l'un des plus rapides du championnat.